Le DMS Show. Le DMS Show. Aujourd'hui, on a le homie. Pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas compris ce qui se passe en ce moment, la voix en ce moment, c'était le vétéran. Hold up, Fizzy. Hey, yo, avant qu'on commence, man, mettez du respect sur mon nom. DJ Crown in the building, it's going down. Montreal, wake up. 514-495-1540. Today it's going down. Best radio show. DJ Crown in the building with the vétéran. Sans pression in the building. How you doing, fellas, man? Yeah, we good. On est là. Content d'être là. The main source ici que ça se passe, vous savez déjà. That's what's up. I know my man DJ Crown aujourd'hui m'a dit, oh, Fizzy, man, I'm busy, man. I just flew back, man. I mean, I'm driving back from a seven gigs in 3 days, driving back, and my homie came here to the DMS show and made it. Gros shout out, gros respect pour ça. Parle-nous un peu, man. C'était quoi ces gigs que t'avais l'autre bord, man? Il y avait le casino à Ottawa qui était pas mal spécial à côté du Hilton, le Alea. Après ça, il y avait le circus. J'ai eu un private party le vendredi. J'ai eu un party à Ottawa. Je suis revenu ici. Campagne Rouville. Super grand. Max Moula, I got a deal for everybody. That's what I'm talking about. Super grand. I'm going to even take your pocket change. Okay. That's what's up. Non, mais Hustle Management, on est là. Le mixtape sortait le 24. Mm. On a aussi eu le party. C'était où déjà? Saint-Calix. Le chalet aussi. Okay. Il y avait 5000 personnes. Ça a turned up. Puis, basically, man, 21 hit. Yeah. Québécois. On fait des shows, non? Au moins 2-3 shows. Ouais, ça, c'est à part des choses sans pression. It's always popping, it's always popping. My man DJ Crowd, man, 20 ans de carrière, bro. This is. Ouais, j'ai réalisé ça, ça fait peut-être 3 semaines, puis j'étais comme wow. T'as pas mal vu tous les eras du hip-hop, à peu près. You know, I mean, t'as vu le old school au regular. Après, t'as vu le long tease, the gangster rap. Yo, you saw the dance movement. Je me suis régulé cette semaine, j'étais comme yo. À un moment donné, je parlais à des fans. Puis je chantais que j'étais un peu comme ma mère quand elle me disait ah, oh, mais dans mon temps, puis dans tout ça. Puis j'ai réussi à embarquer dans à chaque 10 ans comme I'm refresh, tu sais, parce que on parle de, mettons, de Group Home Living Proof, right. Puis que les gars, il y avait quasiment le goût de breaker, puis personne n'avait de chain, puis rien, puis maintenant t'es dans le club, puis. Tout le monde est quasiment. Le style a changé, ça danse plus, ça danse avec le bras des airs, genre. Turn up. Pump fist. Ouais, c'est ça. Mais je me retrouve quand même là-dedans, tu sais. Il y a plein de choses que je suis capable d'enjoy, là. Ouais, je comprends. Donc, mon mec, Kevin Gate, man. Shout out to Kevin Gate, Drake. Ok. Maintenant, ma question à toi, ce serait plutôt c'est quoi ton era préféré, celui que tu as aimé le plus? Like, whoa. That was the time when you were DJing, or whatever the case is. Les tracks que tu mettais dans le club, people were turning. C'est quoi l'era que t'as eu? Je pense que pour vrai, à tous les fois j'ai mixé, j'aimais ça. Dans tous les eras, j'ai fait des vibes comme le old school, donc le twist, Biggie, Mobb Deep, tout ça. J'ai encore tous les albums en vinyle, tout. Puis je vais jamais les vendre, même si on me donnerait 1 million, je garde ma collection de vinyle au complet. Mais maintenant, je peux pas mettre ça vraiment dans le club parce que les jeunes, à moins qu'on fait un party old school, puis le monde il y a entre 30 ans puis whatever, 45, mais basically j'ai pas le choix de m'adapter.